Qu'est-ce que cela signifie?
un groupe de personnes se mettent à identifier les membres du gouvernement, les responsables de la vie active, les citoyens, faire leur liste, les mettre sur les réseaux sociaux et dire que ces gens-là, nous allons les attaquer. Nous allons nous attaquer à leurs biens. Identifier les personnes et leurs biens et leurs familles. On fait ça à quel dessein? Non, que tu sois journaliste, que tu sois qui, un groupe d'hommes qui se permettent de passer à des actions comme ça. Suppose quoi? Répondez, ça suppose quoi? Ça suppose la violence. Ça suppose la violence. C'est très clair, il est. Moi, les journalistes qui sont là, pourquoi vous ne posez pas la question au Centre national de défense de la Constitution? Pourquoi vous ne dites pas ces gens-là? Pourquoi vous faites la ligne des personnalités? Est en train de mettre les structures sur toutes les familles du territoire. Au moment où ils se donnent les mains avec tous les groupes de criminels, de bandits, pour s'attaquer au bien des hommes. Et ainsi provoquer un climat de panique et de violence sur toutes les familles du territoire. Et cela, au même moment où ils sont en train de le faire, ils se mettent en rapport avec certaines composantes des forces armées. Pour que demain, quand il y a des troubles généralisés, que ces groupes de militaires se lèvent de traite pour dire nous prenons le pouvoir. Voilà ce que veut le Front National. Alors, je peux dire, je le pose la question, monsieur le maire du gouvernement, qui a donné l'agrément aux forces au Front National? Qui leur a donné l'agrément? Parce que dans une république démocratique comme la Guinée, qui peut accepter de mettre des groupes de criminels s'organiser sur toutes les activités? Et je dis à la fois de la communauté nationale et internationale, toutes les institutions sont présentes en Guinée. Le Front National provoque des situations de troubles à la Guinée. Mais c'est ce Front National qui en partira des conséquences. Parce que le peuple de Guinée, il a vu à la Constitution. Nous sommes un peuple de désir et nous avons toujours relevé les grands défis. L'exemple, c'est le vote de 1958. Et maintenant encore, le peuple a compris, l'Afrique a compris, le monde a compris. Et c'est le professeur Akafone qui est sous la meilleure voie. Et je vais vous dire une chose, la Guinée, jusque maintenant, est victime de son choix du 28 septembre 1958. Et j'appuie l'attention de tout le monde que si les forces politiques, les forces sociales se déterminent à déstabiliser le pays, ce n'est pas un tel conflit. Il y a des acteurs internes et des acteurs externes. Nous attirons l'attention de vous tous citoyens ici. Il y a des personnes étrangères qui sont très nombreuses dans les quartiers périphériques de Conakry. Il y a des gens qui se font passer pour des fous, qui ne sont pas des fous. Alors, nous vous demandons de multiplier la vigilance. Quelqu'un aurait dit dans le temps, nous opposons la violence révolutionnaire. C'est le moment pour le peuple de Guinée de montrer à ces gens-là que hier, le président Akafone est en train de corriger les bêtises qu'ils ont commis dans la gestion de l'État. Il faut qu'on se dise la vérité. Qui est parmi eux qui n'a pas dirigé ce pays? Qui est parmi eux?
Dieu, il n'a pas dégoûté des formes de l'État. Est-ce que ces hommes d'appel pour nous donner des leçons? Donc ce que nous pouvons vous dire, c'est de révéler les matériels de procès à accordé. Le professeur n'a pas accordé toutes les institutions chargées du développement à travers le monde approuvent la stratégie du développement du pays à l'Afrique. Prenez, soyez curieux, prenez tous les départements, département par département. Analysez les réalisations, les progrès réalisés par tous les départements. Vous verrez que ce que le professeur a fait pendant les 8 années est nettement supérieur à ce que ces gens ont fait pendant plus de 25 ans au pouvoir. Les bases de notre développement sont en train d'être réinstallées. Ils ont vendu les usines. Le professeur est en train de les racheter et de les rendre fonctionnels. Et ils ont resté sans pouvoir réaliser des infrastructures. Au service du peuple, le professeur est en train de les réaliser. Nous sommes confrontés à des problèmes. Aujourd'hui, dans chaque sous-préfecture, il y a des écoles, il y a des hôpitaux. Notre véritable problème, c'est de trouver des personnels pour aller s'occuper de le valeur citoyen dans les préfectures et dans les sous-préfectures. Alors, tout le monde sait aujourd'hui, tous ceux qui viennent de l'extérieur, quand ils viennent, ils disent vraiment qu'il y a un changement de République. Mais les citoyens qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas appris un métier, toi tu ne fais rien, le matin tu es assis à la maison, tu n'as pas de métier, tu ne vas pas où. Comment toi tu peux bien jouer pas d'argent? Tu vas gagner d'argent et t'as resté assis. Tu n'as rien appris de ta vie, tu n'as pas étudié et chaque matin tu cries au nom de l'État. Il n'y a rien, l'État n'a rien fait, l'État n'a rien fait. C'est l'État qui va venir te remettre quelque chose à la poche. Il faut que tu acceptes de devenir un homme indépendant. Et tu n'es indépendant à travers ton travail. Il faut apprendre quelque chose. Je dis ça à tout le monde. Apprenons à faire quelque chose qui puisse nous permettre de nourrir notre famille. Ça, ce n'est pas le tout ça à porter. La peur de 1984 à nos jours. C'est nous, peuple de l'île, derrière le CPRN, qui avons voté, après le discours programme de 1985, le libéralisme politique et économique en République de Guinée. C'est nous qui avons dit que l'État doit se désengager du secteur de l'activité économique. C'est nous qui avons dit. Alors, si nous l'avons dit, nous prenons les conséquences. Alors, chaque année, au temps de l'ancien régime du PDG, tous les étudiants soldats étaient immédiatement engagés à la fonction publique. Alors nous avons dit que la fonction publique n'est plus le cas. C'est maintenant les initiatives privées à travers les sociétés entreprises qui doivent engager les gens. C'est pas ce que nous avons dit. Et le l'État doit s'engager des grands travaux, alors d'investissement, conformément à son rôle régalien. C'est ce qu'on a dit. Et maintenant aujourd'hui, nous mettons la responsabilité du chômage sur le dos du professeur Alpacombe. Soyez conséquents, de 84 à maintenant, chaque année, ils sortent pour nos enseignements supérieurs et professionnels. Ils sont plus de 27 000 étudiants chaque année. Multipliez ça de 84 à nos jours. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement d'Afar. Non, il faut qu'on soit conséquent. Le professeur Alpacombe est en train de faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Si M. le ministre Coumara était là, si M. le ministre Albert Gamanda était là, je leur dis, je leur dirai de faire la statistique du nombre d'emplois permanents et d'emplois non permanents créés pendant ce temps-là. Ils vont nous donner les chiffres. Vous allez les comparer aux 25 ou 26 années de gestion du CBRN. Ceux qui crient aujourd'hui sont à la base de la misère du peuple de Guinée. Et vous ne voulez pas qu'on leur dise la vérité. Alors, nous allons dire pourquoi une nouvelle constitution.
dit la loi qui est la constitution guinéenne. Et les lois de la CEDEAO, les lois de l'Union africaine, les lois qui arrivent un peu partout dans le monde, il y a eu des passages complets. Or, nous disons que nous sommes dans la mondialisation. Ça veut dire qu'il faut uniformiser les lois. Alors, mais nous sommes en dévasage par rapport à toutes ces organisations. Où tu as vu dans un pays, le CNT, où tu as vu dans un pays qu'il n'y a pas de délit de presse? On dit qu'il n'y a pas de délit de presse. C'est pourquoi nos invités, journalistes aujourd'hui, se permettent d'insulter n'importe qui dans leur émission. Ils n'ont pas de respect pour les ministres, ils n'ont pas de respect pour le président de la République, ils n'ont pas de respect pour personne. Et quand vous êtes dans les enfants au final, on dit non. Ça veut dire quoi? Vous voulez qu'on reste à ça? Il faut que ça change. La constitution doit changer. Maintenant, tous les acteurs du Front National, nous disons à chaque citoyen de recenser aussi tous les acteurs. Et puisque, quelle est la seule formation en Guinée qui peut intimider le RPG? Et écoutez, nous nous sommes respectueux des textes de loi. Sinon, à cause du professeur Akpakonde, pour ce respect, nous disons que nous laissons les manifestants avec les forces de sécurité. Mais non, si ce n'est pas de respect pour le président, le président national de la jeunesse va demander à ceux qui y aient quelques minutes de regard. Mais c'est nous qui serons. Donc on va rester dans l'esprit du président. C'est nous qui serons. Nous ne devons pas être portés des délices de la violence. Mais vous, journalistes, lisez l'histoire. Quand les Allemands se sont infiltrés en France, ils ont utilisé les Français pour attaquer la France. Qu'est-ce que la France a fait? Il y en avait prévu que tout le monde, personne ne va oublier la mission de la France. Alors, mais si aujourd'hui, cette force, ce Front National, se permet de droguer les enfants, de mobiliser les enfants et de les faire sortir, vous avez vu ce qui s'est passé à partir de la cérémonie. Ça, c'est alarmant. Est-ce que quelqu'un qui peut conquérir le pouvoir va se comporter ainsi? Vous êtes libre de dire non au référendum, c'est tout. Comme ça, vous épargnez des vies humaines. Au lieu d'amener les gens à s'accoutumer, oh, nous sommes tous des gens. Mais quand il y a problème, vous les journalistes, ça va commencer la bonne parole. Personne ne sera épargné. Si vous voulez vous dire la bonne parole, les journalistes ont le droit de former, d'informer et d'éduquer la population. Le pouvoir du président. Vous êtes mal placé pour le faire. Et ce que nous constatons dans les émissions interactives, lorsque quelqu'un vient pour insulter le professeur, les journalistes lui donnent pour le temps d'intervention. Mais lorsque quelqu'un vient pour parler des biens du président en public, on coupe les deux. Nous avons à parler, nous avons donné la parole au traducteur et traducteur de la loi. Merci.